L'équipe technicien Thai Power Company est rentré vin faire en Haïti dans mois octobre passé sous configuration système électrique là. Yo posé question ou soit apporté quelques précisions sur réalité terrain en Haïti. Dans semaine qui vient là, yon délégation expert Thai Power Company a bien pour tourner en Haïti toujours dans cadre d'exécution projet électrification pays a. Yon nan gwo initiative président République là Jovenel Moïse. C'est en bas en l'appli. Journée environ ça t'al fini dans EDT, yon sous-station électrique qui trouvé dans le district Wenchen. C'est honneur militaire, 21 coups de canot et défilé qui recevoit président haïtien Jovenel Moïse journée mardi 29 mai 2018 là dans palais pays Taïwan. Haïti, un pays qui pas suspendre prouver solidarité avec Taïwan après 62 années coopération. Coopération entre Haïti et Taïwan pral konnen un nouveau départ côté deux pays yo doit redéfinir différents axes coopération yo. Pour Taïwan, les questions pour bay Haïti bourade dans trois secteurs tant que agriculture, énergie et technologie. Dans les jours à venir, nous avons déjà inscrit dans votre programme, Monsieur le Président, des visites dans les domaines de l'agriculture, l'énergie et la technologie. Moi-même, personnellement, j'échangerai avec vous sur les sujets d'actualité internationale. J'espère qu'avec cette visite d'État, nous pouvons approfondir les relations entre nos deux pays, surtout une relation de coopération qui est non seulement gagnante-gagnante, mais bénéfique mutuellement. Et dans la quête de relations durables entre nos deux pays, j'espère que nous serons, de part et d'autre, un soutien mutuel. Trois domaines, ça, par département, avec vision administration, président Jovenel Moïse, là, qui basé en même temps sous sept grandes priorités développement, en dans seule stratégie qui relève caravane changement. Chef l'État, clé sous ça, Haïti besoin support concret et durable bon côté paysan milieu. Vous avez devant vous un ami sincère. Nous souhaitons vivement que nos relations puissent trouver un élan nouveau et s'orienter vers la construction d'une alliance stratégique multiforme capable d'assurer de façon durable l'avenir et le progrès de nos peuples. Madame la Présidente, chers amis, mon programme de gouvernement s'articule autour de sept axes prioritaires portés par une stratégie que nous appelons la caravane du changement, instrument privilégié pour remettre l'État au service du citoyen. Parmi ces axes prioritaires, je peux citer la promotion de l'investissement privé comme vecteur de transformation de l'économie et de la société, la modernisation de l'agriculture et la construction de grandes infrastructures énergétiques, routières, portuaires et aéroportuaires. Ce partenariat gagnant-gagnant que je préconise sera bénéfique à nos deux économies à travers l'immense marché qu'il ouvrira aux investissements taïwanais dans le cadre des grands travaux à réaliser nécessairement. Rencontre entre deux chefs d'État ont déroulé dans une ambiance en mitaille en présence première dame République Martine Moïse avec différentes autorités politiques, membres cabinet particulier et puis hommes d'affaires qui dans délégation haïtienne là. C'est un forum sur investissement et opportunité d'affaires en Haïti. Président républicain Jovenel Moïse propose investisseurs taïwanais à Haïti comme une bonne zone homme d'affaires qui vient faire business dans Caraïbes. Assistance là tient la donne divers entrepreneurs taïwanais qui travaillent sur le marché international là. La maîtrise de l'eau de surface
l'environnement, le réseau électrique national intelligent, dont les micro-réseaux, ainsi que les sources d'énergie propres. Je veux parler de l'éolienne, du solaire, de la biomasse, de l'hydroélectrique et des centrales au gaz naturel. L'agro-industrie, l'élevage et la pêche, le tourisme, le textile et la confection, la technologie et le développement urbain. Aussi, dois-je vous rappeler qu'Haïti est membre à part entière de la Caraïbe, la communauté des États de la Caraïbe, un marché important qui attire des millions de touristes chaque année. Pour parler de création de richesse, il faut gagner investissement. Faut qu'entrepreneur yo gen un plan ki di kote yo vle aller. Yon nan intervenant forum sa Wilson Lalo à travers yon projection, homme d'affaires taïwanais te gen chance suivre yon présentation sur opportunité en Haïti. D'après Wilson Lalo, c'est pas seulement secteur textile là qui intéressant comme opportunité d'affaires en Haïti. Li cite 7 grandes zones exportation agricole en Haïti parmi yo de plein Maribaou. Cette grande zone d'agro-exportation présente l'avantage d'être libre de toutes les contraintes liées à l'accès à la terre, au foncier, une assistance technique appropriée, la disponibilité des équipements de production et des infrastructures, la disponibilité de données physiques et chimiques sur les sols, la sécurité sur ces zones de production garantie par l'État et la disponibilité de l'énergie électrique à un coût préférentiel. L'État a la responsabilité de construire des réservoirs pour la distribution d'eau, les routes agricoles, la construction des systèmes d'irrigation, l'aménagement des ports, aéroports et aussi la mise en place de laboratoires de contrôle qualité pour ces produits. Le secteur privé, dans le cadre d'intervention ou en partenariat public-privé, en partenariat avec l'État, peut exploiter ces terres, mettre en place les technologies de support à la production, organiser les systèmes de marketing et de mobilisation du capital. Dans l'échange en termes d'affaires de pays, chef l'État Jovenel Moïse dit administration là a suivi Taïwan comme modèle progrès économique et développement dans le monde là. Jounen mercredi 30 mai, délégation haïtienne nan pren direction Taichung, yon ville industrielle qui trouvait le centre-ouest pays Taïwan. C'est à campé l'intérêt président Jovenel Moïse ak plusieurs autres membres délégation an te visiter parc scientifique central Taïwan et puis suivre exposé responsable fait sous fonctionnement gros institution ça. Ce parc a été créé il y a 15 ans. Avant, ici, c'était surtout des cannes à sucre. Mais maintenant, ça devient un espace pour développer des produits avec des silicium. Ici, nous avons pu investir 40-50 milliards de dollars taïwanais avec un chiffre d'affaires de 560 milliards de dollars taïwanais, soit une croissance de 11%. Toujours dans le parc scientifique central là, délégation a découvert un centre robotique côté système technologie très avancé. Ouais.
Dire on sa talra poursuivre dans l'Institut Recherche Agricole côté membre délégation a gardé diverses variétés fruits au gagnant dans l'institution ça. Yon visite qui tal bout nan barrage hydroélectrique localité Mingtan avec une capacité installée de 2602 MW, centrale hydroélectrique Mingtan, c'est plus grand qui gagne dans catégorie ça dans Taïwan. Li joue un rôle important dans fournir énergie propre dans région.